Donc, fin de semaine, tout le monde fatigué. J'ai fini à 14h, j'ai eu de la chance. Donc, ça va être du Kingdom of Castle, premier épisode. Je le refais parce que bah, le dernier c'était un peu la merde. Le son était trop fort. J'ai fait le montage, mais c'était à chier. Vu qu'on m'entendait juste pas. Donc, c'était compliqué de comprendre les blagues si on entendait. Enfin, si on voyait que les mêmes, quoi. Donc! Kingdom Castle, j'espère que ma voix est assez forte. Je vais quand même aller dans les paramètres pour baisser le volume du jeu. Voilà, comme ça. Oui, assez de zoom. Oh, ça existe ça? C'est incroyable. Bon, je vais mettre ça. Je suis pas sûr du tout. Nuages, oiseaux, vessing, brouillard. Anti-crénelage, distance du brouillard. Oh non, on va laisser comme avant. Hein. Ok. Waouh, la molette. J'ai soin de la molette là. C'est la vitesse. Donc. Oui, enregistré. Donc, on commence, bien sûr, on commence. On va créer un mode standard. On va aller dans Vintard difficile. Territoire rude. Je suis sage, donc ça devrait aller. Je crois. Le nom on va faire plus tard. Je mets la bannière. Toute tassée, toute nulle. On l'appelle ce royaume. Ah, je suis gouré. Voilà. Bourg le roi. Parce qu'il y a Bourg la reine. Maintenant c'est Bourg le roi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'accepte. Oh bah c'est bon. Ah oui, la carte. La carte, la carte, la carte. J'aimerais bien jouer avec les royaumes ennemis parce que j'ai jamais essayé et je voudrais voir quand même un peu la gueule des trucs. Mais le problème, c'est que si on fait île, le royaume il est pas assez grand. Ouh, j'ai rien dit si on se met là. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et les ennemis, on peut les mettre en face. Ouais, c'est un peu injuste, mais on s'en fout. Parce qu'on n'est pas là pour perdre en fait. On a de la pierre, des loups, du bois, de la pierre. Ouais. Ah si si. Cuivre et pierre, on pourra se mettre ici, c'est pas mal. Allez, on se met ici. On ajoute un ya. Non, pas Alsbeck. C'est pas. Gwon. J'ai déjà vu Gwon, non? Allez, ça, ouais, ça fait ça en boucle. Yonar. Fritten. Ouais, Fritten. Moyenne, on va mettre ici. Voilà, nous on va se mettre ici. Ici précisément. Ah, par contre, terre fertile, c'est pas la folie. Hein. Ouais, bon bah, terre fertile, c'est pas grave, au pire. On va commencer comme ça. J'espère que le son est pas dégueulasse. Bonjour. Là. Ouais, voilà. Ça me semble parfait. On va commencer. Ouais, et on va se mettre. Comme on avait dit. Ah, je peux faire ça. Je peux mettre le château comme fortification. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, on va prendre en compte l'entrée. L'entrée qui est bien sur les escaliers ici. Et on va la mettre là. Comme ça, on va évoluer de façon plus organique. Ça va être plus joli, je pense. Ça se construit. Waouh, ouais. Je vais même pas parler de ça. Donc, pour commencer, une petite ville, tout d'abord, mettre une route. Bon, la route. Mettre en pause? Ouais, je mets en pause. Soit je fais comme ceci. Ah, bah, j'ai mis. Bah, voilà. Comme ceci, bah, elle sera comme ça. Ça fait rien de dire ce que je dis. Donc, on remet en play. On attend qu'il construise cette merde. On va leur faire couper du bois. Parce qu'il faut du bois dans la vie de tous les jours. Voilà, on a une route. On peut. Ah ben non, mais je suis bête, il faut du bois forcément. On va attendre, ça commence super bien. Ah, on peut. Donc on va construire deux maisons pour commencer.
C'est un peu la base du truc. Pouvez même accélérer. Comment on accélère de façon. Non. 2. Voilà. Non. Remets-toi là. S'il te plaît. Accélérer 3. Hein. Une nouvelle maison. Ici. Comme ça, ils sont tous contents. Allez, année 2. On a 6 habitants. 10 lits. On a une. Bon, il n'y a personne dans cette dernière. On s'en bat les couilles. On va commencer à prendre de la pierre. Du fer à droite. Donc c'est ceci, mais il faut mettre la route d'abord. Donc on va couper le bois. Ah, mais il y a des cailloux. Ah non, c'est chiant ça. Ah ben non. Parce qu'on peut faire comme ça. Attends, j'ai pas encore expliqué. Voilà. Voilà. Faites-moi l'Amazonie, s'il vous plaît. J'attends. Voilà. Et comme la route a une portée, on peut mettre la carrière directement ici et même là. On va leur mettre petite réserve. Ça coûte de la pierre, une petite réserve. Et la bouffe! Bah oui, la bouffe, forcément. J'ai pas compris ce que c'était que très nuageux ou quoi. Hein. Mais bon. C'est choupi. C'est choupi. On a de la pierre. On pourra la mettre une petite réserve. Ici, j'aime ici d'habitude. Maintenant la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. La bouffe, on va la mettre dans cette zone ici. Parce que c'est toujours plus joli. Ah oui, bah oui, mais en fait, il nous manque trop de trucs partout. Mettre un forestier ici, donc je vais pas trop couper. Ah, si, du coup. Faut faire comme ça. Voilà. Et là, cette forêt-là, on va la raser. Donc, on a du bois. Donc, on a du bois. On peut faire une route avec un verger et des fermes. Ah, une seule. Bon bah, c'est déjà ça de gagné. Du coup, on aura des fruits et des. Bah, et du blé. J'ai bugué, du colza, ce que vous voulez. Je sais même pas si existe à cette époque-là le colza, j'avoue que j'y connais pas grand-chose. Parce que les habitants sont en meilleure santé quand ils ont beaucoup de. Quand ils ont beaucoup de sortes de nourriture disponibles. Donc ils peuvent avoir du blé, slash pain, avec le boulanger, des fruits ou des poissons et du porc. Non, c'est pas très très vegan. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà! Là c'est symétrique, assez beau là. Je vais mettre un petit grenier en face. Ah, je fais beaucoup de dépenses. Je fais beaucoup de dépenses. Prochaine dépense, c'est le forestier. On mettra. Ici. On peut planter les arbres ou pas? C'est très bien ça. Faire des ponts. Ouais. Aqueduc. Taverne. Château. Non. Voilà. On a du bois. Mais dès qu'il y a un orage, ça pète. Pourquoi c'est en or? Pourquoi c'est doré? Oh là là. C'est un bug de texture. Risque d'incendie élevé. S'ils ont faim, c'est ça? Vous avez faim? Bah moi aussi j'ai faim, ok. Vous pouvez couper là-bas. Ce serait pas mal. Bon, je mets là le forestier qui me saoule pas. Oh, je vais mettre là. Voilà, je mets là. Parfait. Et je mets même. C'est chiant à dire ça. Je mets même une petite réserve si j'ai assez de bois. J'ai pas assez de bois.
Ah, faut construire. Peut-être que c'est parce que c'est plein. Vu qu'on a 10 lits, 10 personnes. Et pourquoi ils sont verts? Vous êtes malade! Santé 10 sur 10. Qu'est-ce que j'affichais en fait? Pourquoi c'est vert? Ah, mais. Ah, bah oui! S'il affiche la santé, forcément. Annuler tout ça. Voilà. Voilà, maintenant il faut construire de nouvelles maisons. Il nous faudrait un bois. S'il vous plaît. Ils veulent pas construire un bois. Donc, priorité d'emploi. Bûcheron. Ici. Voilà, ils vont défoncer les arbres. Mais j'ai dit non pour celui-là. Oh, c'est bon. Ah, mais oui, mais est-ce qu'il y a un bûcheron là? Ok. Du bois, du bois, du bois. On a du bois. On peut construire des masures. Allez, l'expansionnisme. Ça va construire sec là. Voilà, déjà 15 lits. Voilà. 20 lits. Non, on a 25 du coup à la fin. 25 lits. Aïe, ah oui, j'ai pas de. Oui, non, mais il y a la mer à côté. Non, vous abusez. Il y a la mer à côté. Quoi? Oh non! Oh non! S'il vous plaît. Ah oui, j'ai pas assez de ressources, forcément. Il manque des habitants. Il manque des habitants, c'est le plus gros problème. Cette avenue stalinienne. Avec le petit blason. Qui fait plaisir. Ah, est-ce qu'il y a une sorcière? La sorcière? Non. 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 Bah, j'aurais pas de potion. J'aurais pas de waifu. Ah, je peux reconstruire ça. Voilà. 14 habitants. Ouais, ça s'arrête à... Ok. C'est pas fou. C'est pas fou. Un seul habitant. Non, mais non, mais non, mais vous abusez. Peut-être si je leur fais une place du village. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais, bon bah. On va attendre. Ah, on a 13 de pierre. Ça avance, ça avance. Alors, soit je fais un puits, soit je fais une chaumière ou la place village. Bon, allez. En tant qu'alcoolique. Oh, en plus, elle est belle ici. Voilà. Le royaume des alcooliques. Bon, le roi. Royaume d'alcoolique. Je dis beaucoup trop de fois le mot alcoolique. Nourriture, on est bien. Bois, on est extrêmement bien. Pierre, on est moins bien. Et tout le reste, on sait pas encore notre niveau, donc forcément. Il vous manque quoi là? 12 de pierre, ah oui, ça arrive. 18, 6, 2, peut-être, 4. C'est aléatoire.
2. Et voilà, là il arrive. Ya yeah. Voilà, les habitants sont pas de ouf, plus contents. Bon. Saoulé, hein. Ah, plus 3. Là on avance. Là on avance. Là c'est beau. On a déjà vu 2 pierres. Ah, c'est ça, ça compte. Mettre un puits. Ici. Ah, je vais dépenser là. Je vais dépenser. Des chaumières. Le forestier qui est perdu. Voilà, attends, là j'ai comme laissé un axe. Quoique. Je la mets comme ça. La roche, on verra plus tard pour la détruire. Ah oui, c'est ça, est-ce que j'aurais dû laisser un accès? Bon, une fois que celle-là est construite, je casse celle-là. Comme ça, on pourra faire une route. Voilà. Ah, il y a déjà les barbares qui arrivent. Non, ça c'est chiant ça. Charbonnier. C'est vrai qu'il est charbonnier en fait. Zone industrielle jamais là du coup. Ah oui. Trop bien. Dragon en vue. Ah. Voilà, deux charbonniers. Bouffe, on est juste en bouffe. Voilà, je dépense de partout, hein. Alors, en défense, on peut déjà construire les murs et les palissades. Ouais. Eh, hey, il m'attaque moi en plus. Tu fais quoi? Casse-toi. Ça ne construit pas trop. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés. Ah, ça a été construit. Donc je peux casser celle-là. Faire ma route. Enfin, prévoir mes routes. Ensuite, les murs du château. On va commencer à faire. En bois. Pour commencer. Ça me semble pas mal. Ah oui, j'ai plus de j'ai plus de bois. Enfin, déjà en mur direct. Ah, mais après, je m'en bats les couilles du forestier. La réponse est oui. Je m'en bats les couilles du forestier. Est-ce que je suis allé un peu tôt pour faire les murailles? Oui, je crois que oui. Mais c'est mignon, c'est mignon. On en a un deuxième. Ah, on a un sans-abri. Oh, le bois. Le bois qui fuse. Il est là, le bois. Oh, une porte. Oui. Ça coûte cher! Ah, ça coûte cher. 30. Ah, vous abusez un peu les rêves là. Voilà. Voilà. On mettra un jardin ou je ne sais quoi. Oh, vous avez faim! Mais non, en fait. Y a pas à avoir faim comme ça. Voilà, on double les productions, on est bien.
Voilà, on a 10 places de plus. Personne n'a voulu venir. Oh. Ah, mais l'île là-bas est quand même plus grande. Ah oui. Ah oui. Ok. Aïe, oh là. C'est pas grave, la ville de Bourg-le-Roi est quand même bien. Voilà. On a bois. Là, on a du bois. On a du bois. Ah, mais non, mais en fait, par pousser le bois. Forcément. Oula. Allez. Ouais. Ouais. Enfin. Donc voilà le château de base. Bon, là je sais que c'est dégueulasse. Faut attendre que ça construise. C'est pas moi. La place du village, je la mets où? Je vais la mettre là. Non, enfin un bel endroit quand même pour la place de village. Genre à un angle. Bon, j'attends, je la mets pas tout de suite. Est-ce que je le fais? Bien sûr que oui. Voilà. Vache. Oh la vache. Le bois qui va fuser. Bon, on est bien. En bois, on est bien. C'est pas grave, il y a encore du bois. Hein. Ouais, il y a encore du bois. C'est quoi même pour me faire pardonner? Ah ben non, il y a des loups. Il y a des loups. Il y a des loups partout en fait. Bon, faut casser celle-là. Elle va me casser les couilles longtemps sinon. On va le mettre là. Ah, il y a des morts! Non, mais arrêtez! C'est le bois ou la vie. Voilà, du bois maintenant. On est tous morts, mais il y a du bois. Que veut le peuple? Taverne. Puits. Ça, on peut déjà tout mis. Ça coûte de la pierre. C'est compliqué la pierre. Grenier, on a. Du forestier, petite réserve, charbonnier. Ouais, on s'en fout quoi. Mer, on peut rien mettre. Si, on peut être un pont. On s'en fout d'avoir un pont. On peut mettre un pont genre là ou là, ouais, ça arrive sur l'angle. Ah bah non, ah bah non, c'est comme s'il y avait une forêt à côté quoi. Bon, on va commencer par remplacer avec de la pierre, je pense. Je sais pas, non, on va mettre toute nouvelle maison. Toujours plus de maisons. Là, on va laisser la place pour mettre. Ouais, mais c'est un vide avancé. Parce qu'on peut mettre des cliniques, des trucs comme ça. Bon, ça fait déjà beaucoup de maisons là, ça va. L'armée. Mais l'armée, c'est là-dedans. Ah non. L'armée, c'est. En tenant de la guerre, il faut de la thune. Il faut 42 pierres. Bon. Si c'est que ça. Non. Voilà. Bâtisseur, tailleur de pierre. Bâtisseur, comme il y a. Ah bah oui, tout me construit, d'accord. Voilà, comme ça on aura de la pierre. On aura plus de pierres. Ce sera plus fun. Vu qu'on a assez de bois quand même, je pense que ça va. Là, je sais pas encore quoi mettre. Peut-être j'aurais pu avancer encore les remparts à château. Bon, ça, on pourra faire ça. On pourra faire ça plus tard. C'est pas gênant.
Ouais, 63 places, la vache. Sachant qu'on meurt tous de faim. 87 places. On double le nombre d'habitants là. On double le nombre d'habitants. Et on a de la pierre. Voilà. Je veux bien mettre ça collé. Ouh là, c'est bien. Là ou là? Non, parce que ici. Eh oui. Comment est le côté? C'est une grille. Comme ça. Voilà. Vraiment, toi t'habites là, t'es content. Hein. Eh ben non. Donc on a plus que 70 places, mais ça va. C'est pas super gênant. Oh non, par contre. Non, mais non. Aïe, son enceinte. Enceinte qui me casse les couilles. Arrête de faire du bruit chelou. Merde. Non. 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 Tu fais du bruit. Tu fais du bruit. Tu arrêtes. Merci. Voilà, t'es branché. Donc les Vikings qui vont nous frapper, ils arrivent par le nord. Ici, là. C'est eux. Donc ils veulent pas répondre. Pour son compte, qu'ils vont arriver vers le château. Donc c'est pas à leur avantage. Ouais. Ouais. C'est. Mais ils font quoi? S'ils font le tour, limite, j'ai le temps de faire une armée, quoi. Ah non. D'accord. C'est une stratégie. Ah, mais non, mais mes habitants. Ouais, attaque. Sauf que eux. Ben voilà. La vie peut se barrer ou. Ah bah non, ah non, mais non. Est-ce qu'il va? Oh d'accord! Ok. Je pensais qu'en revenant, il allait se faire shooter par les. D'accord. L'eau qui monte. De la violence. C'est les Pays-Bas, c'est rien. Ouf, la pierre qui a monté. On a beaucoup de pierres là. Ouh là là, ouh là 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 là. Donc. Zut. Ah, on peut mettre ça. Clinique, il faut 10 de thunes. On va augmenter les impôts, du coup. On va mettre à 20. Voilà. Ah, 52. Ouais, mais il nous faut de la thune, en fait. Surtout ça, en fait, le problème. C'est qu'il nous faut de la thunasse. C'est plein, ça? Ben non! Pourquoi vous allez là-bas? Bon, peut-être mettre un marché ou quoi. Petite réserve. Réserve. 15 de thunes. Ça évitera les allers-retours entre le château et le dehors. Ce qui ralentit vachement. En train d'avoir de la thune, hein. La thune, la thune. 98 de protection. Ah non. Ok, 98% de bon état. C'est très très spécial comme guide. Tant qu'ils partent. Waouh. Ok. Oui, on est bien. Bouffe, on est bien. Est-ce que c'est un par habitant? Je sais pas. Parce que si c'est un par habitant, on est bon, hein. On est très largement bon. Est-ce que le bonheur monte? Non. Bon, après, 20% en 60, c'est quand même pas mal, hein. 4 habitants. Si, c'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Dans pas longtemps, on aura le truc. Alors, est-ce que je mets une clinique? Ah, le cimetière. Parce qu'il y a eu des morts quand même. Pas l'oublier. Et le cimetière, je vais le mettre ici. C'est une dépense inutile. J'en ai rien à foutre. Voilà.
Voilà. À la foutre. On va commencer à remplacer les trucs par de la pierre. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, c'est déjà la moitié du patelin. Au niveau bois, on est largement bon. Comme quoi, les enfants, pour vaincre tout le monde et défoncer tous les autres royaumes, coupez une forêt. Voilà, faites une plaine. C'est plus beau déjà. Et voilà. C'est la simplicité. Voilà. Après, je ferai un deuxième cercle de fortification. Puis le troisième qui fera tout. Non, mais là, on n'y est pas encore. Je ferme ma gueule. On peut remettre ça là. Fantastique. Fantastique. On a déjà 14 de pierre, ils sont énervés ici. Hein. On a déjà plein de thunes. On peut être un porcher. Cimetière, route pavée. Mais vous êtes énervé, hein. Voilà, moi je veux ta réserve par contre. Réserve qu'on va mettre ici. Ça me semble judicieux de le mettre là. Voilà. C'est proche de la zone industrielle. Et si on met un marché, ce sera autour de là. Ah, mais en fait, on pourrait mettre là directement en fait. Donc attendez. Je mets un puits là. C'est beau. Je casse celui-là. Et là, je peux mettre. Hop! Comme ça. Voilà. Ça n'a aucun sens. Bon, maintenant, il faut peut-être une armée. Peut-être. On est déjà juste en habitant. C'est une blague. Nouveau quartier! C'est Tipar. Bon, il y a cet endroit-là. Mais là, je ferai un beffroi, je pense. Non, mais vous abusez. Non, mais vous. Oh, ou un puits. Ah! Il y a déjà un puits à côté. Non, ça ne sert à rien, le puits. Donc, ça coûte 25 de thunes. Voilà, là, on est bien. Là, on est bien. Ça va construire une vitesse. Ah ouais. Vous êtes la colère en fait. Ah, on peut rentrer par derrière. Ah merde, moi je ferai une. Ah oui, bah voilà. Faut que je fasse une petite couille. C'est plus joli avec une petite couille. Franchement, on commence bien. C'est honnête. Ah non, 26 ans quand même, hein. 26 ans. Bon. Ça passe de c'est pas mal à je fais ce que je peux. Et j'ai 2 de charbon. J'ai pas de charbon. Et j'ai. Ouais, bon, on va pas compter. Comment ça, bonheur, il chute? Ils veulent une église ou une bibliothèque. Eh bah, ben, l'église, on va la mettre là. J'espère qu'elle fait bien 3 par 2. L'église, parce que sinon je chiale. Ouah! C'est la cathédrale qui est un peu plus grosse. Mais elle coûte cher! 25 de balles et. 4... Bon, 85 de pierre, autant c'est faisable. Mais 25 balles. Bon, je te les prends dans ma poche, les 25 balles quoi. Mais. Diplomate. Oh, roi 2. Non, mais faut pas faire ça, les gens. Faut pas faire ça. J'ai lu autre chose, moi. Nous avons un message à notre souverain. Ouais, bah allez. Ah! Vous avez dit oui. Je sais pas, on me dit jamais d'aller aussi loin, je sais pas quoi faire. Vous venez d'un royaume voisin. Nous espérons qu'il s'agit d'un royaume pacifique. Certes, nous avons tant de choses à nous dire. Waouh! Il jubile. Oui, nous nous réjouissons de collaborer avec vous. J'ai pas dit collaborer, hein. J'ai juste dit pas vous défoncer la gueule. Ainsi se termine le message de notre souverain, souveraine. Nous remercions votre Altesse de nous avoir consacré ce temps. J'avoue que c'était long.
Je me suis fait chier avec vous là. Non, mais arrêtez de casser les maisons dès que vous les construisez. Du coup, ça veut dire que sa ville a fait sur la lagune. Ah ouais? Ah ouais, les murailles. Est-ce que c'est des murailles ça? Si de la construit ici, c'est classe. Hein. Est-ce que c'est des murailles? Ça ressemble pas à des murailles. Ça ressemble à quoi? Si, ça ressemble, c'est des murailles. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Il manque 5. Il me manque 5 de thunes. Ah bah voilà. Ouais. Oh. Waouh. Alors. L'entrée est là. Donc techniquement, je devrais la mettre comme ça. Mais c'est pas beau du tout. Donc je la mets comme ça. C'est tout. Et je peux en profiter pour mettre la place du village derrière. Voilà. Et là, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on jubile ici? Voilà. On est bien. Vous êtes content ou pas? Oui, vous êtes content. Allez hop. Oh là là, pire souverain du monde. Ah non, mais il faut que je fasse mon armée, moi. Du coup, un jour peut-être. Combien ça coûte cher? J'aurais pas d'armée en fait, finalement. Bon, j'ai fini mes murailles. Dans genre dépenses inutiles. Sinon, les Vikings, c'est quoi finalement? Au fond, c'est pas grand chose. C'est des gens quoi. C'est pas les couilles. Vous pouvez crever. Ah, du coup, comme ils font un détour, ils meurent plus vite, non? Non, pas du tout. Ils sont bêtes les couilles. Bon, peut-être un instant de défense un jour quand même. Hein. Pouet, pouet, pouet. C'est le fun. Ah, la thune qui monte. Peut-être on pourra avoir le. Ça, on s'en bat les couilles. Oh, bah, je peux la mettre. Alors, une armée ou diplomatie? Est-ce qu'on ferait pas une partie entière sans armée? Bon, on a le droit aux défenses, tout ça, mais on n'a pas le droit de faire des armées. Ça me semble pas mal, hein. Allez, on fait ça. C'est gigantesque. Et ça rentre là. Du coup, est-ce que je peux la mettre là? Waouh, c'est grand. C'est très grand. Allez! Voilà. Il y a des moments où non, en fait. On fait ce qu'on veut. Même mes chemins de route pavés, en fait. Nous avons un message, notre souverain. Merde! Ah, j'ai dit que j'avais pas le temps. Bye, bah. J'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Chut. Okay, waouh. Ah, voilà, on peut enfin finir le château. Ça va être beau comme ça. Ça va être magnifique. Wow. C'est bon? Former un diplomate, faire un cadeau. Waouh. C'est le temps, ça? Est-ce que c'est du temps, ça? Bon, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Si on emploie des bâtisseurs, donc les lits forcément seront moins actifs. Ah ouais. Non, ça va en fait. Il y a. Ouais, ils sont là. Mais les affaires étrangères, faites un clic droit pour déplacer, faites un clic droit sur un navire de transport pour monter à bord, faites un clic droit sur le donjon étranger pour le visiter. Vous allez là.
Non, quand même. Oh non, elle est mal orientée! Bah les couilles. Vraiment bah les couilles. Ensuite. Le port, on le fait là. C'est quand même beau. Je sais pas, genre c'est une baie, donc c'est classe. Est-ce que je peux le faire même en fait le port? Je peux être un pont-levis. Aha! Ah ah ah! Un pont-levis! Vous allez rien faire! J'ai un pont-levis. Port. C'est un port à la pêche, ça. C'est ça l'histoire. Hein. Ah non! C'est un port comme on s'en bat les couilles. Ok. Voilà. Bon, il y a des loups à côté. Comment je fais pour me débarrasser des loups, du coup? Vraie question. Oh, mise à jour. Pas des grandes routes. Merde! Bon, bah c'est pas grave. Voilà. La route de la vie. Du coup, on va envoyer les trous du cul. Non, alors non. Voilà, en soutien émotionnel. Émotionnel. Je vais mettre une petite réserve. Une grande. Petite ou grande? Mais une grande. Il me manque une pièce. Allez. Quoi? Une pièce maintenant? Oh, casser les couilles. Bon. Clinique. On va quand même la mettre bien. Pas que ça dégueulasse. Voilà, bon. Il faudra le maçon aussi. Le maçon. En nourriture, on n'est pas ouf. En nourriture, on n'est pas ouf. Mais il n'y a pas de terrain fertile. Est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est ça, on peut mettre des trucs pour que ce soit plus fertile. Alors, ça coûte combien? C'est pas là, en fait. C'est là. Réservoir. Nécessite Noria. Ah! Oh, ça coûte cher. Ah, waouh. Ah oui. Non, il y a mieux là. Il y a plus intéressant à faire. Allez. La 89. Bruc. Non, bah. Voilà. Mon île, elle a la varicelle. Ah non, le dragon. Du coup, si je m'étends, ça va être compliqué de tout protéger, hein. En fait. Oh, ok, ils sont bas les couilles. Pardon, hein. Nous avons un message à notre souverain. Oui, continuez. Je n'aime aucune période de l'année autant celle que des moissons. Autant que celle des moissons. Être dehors dans la nature, s'occuper des récoltes, c'est là où je pourrais me trouver si je ne régnais pas sur le royaume. Oh là là, oh, la vie est dure, je suis roi. Oh, c'est horrible. Je me demande parfois si je suis vraiment apte à ces fonctions. Régner est un exercice difficile, tout le monde n'en est pas capable. Bouc! Vous avez raison, c'est ce que mes parents disaient aussi. Bah en même temps, tu t'appelles roi de mer, donc c'était logique un peu. Non, je me casse. Ouais, j'ai pris le truc diplomate, mais j'en bats les couilles en fait, un peu. Pour de vrai. Non, mais honnêtement. Voilà, quand même. Parce qu'une porte en bois, c'est pas la folie, hein. Un bateau. Ça coûte de la thunasse. Eh hey, oh, arrêtez de tout casser là. On n'est pas chez Mémé en fait. Oh, faut construire. Gna. Ta gueule. Ah, donc la route est construite. Donc on peut mettre des. On va faire des vergers. Voilà. Avec un grenier. Si. Là, on pourra remettre un verger. Je crois. Et non, c'est pas facile. Mais par contre, on pourra mettre un puits. Voilà. Et un puits ici. Et des champs. Ça s'arrête jamais. Toujours plus. Ah, mais du coup.
Non, mais du coup, je fais un grand grenier. Eh oui. Un grand grenier. Voilà. C'est pas droit. C'est pas dans le bon sens. On refait tout. Voilà. Un peu de logique, s'il vous plaît. Mes routes qui veulent rien dire. Santa m'attend de vos directives. Je sais, je sais. Tant qu'il... Non, allez. Chut. Route. Route. Plus de route. Voilà, route de merde. On enlève la varicelle. Je sais pas ce que je peux mettre ici, par contre. Oh, peut-être un mot. Genre... Genre ouais, comme ça. Voilà. Allez! Varicelle de Jean. Non, mais c'est organique, c'est organique. Comment ça? Pourquoi y a des gens qui gueulent? Ah bah oui, mais si y a des... Ouais, bah oui. Bon, ok, je mets des défenses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. J'ai évité toute la pierre. Ah! On va devoir se battre aux archers, là. De la thune. Thune. Argent. S'il vous plaît. Non. Non, non, je veux vraiment de la thune en fait. Voilà. Donc, ouais, voilà. Là, on est vraiment sur le cliché des villes du Moyen-Âge. Oh, le marchand. Te dépêcher aussi. Waouh! Je veux rien. Ah, est-ce que je peux. Oh, je vais vendre du bois. Wesh. Ah.